12 janvier 2010, un séisme terrasse Haïti, faisant plus de 250 000 morts, environ 300 000 blessés et 1 300 000 sans-abri. Un an après, Port-au-Prince et ses environs portent encore les stigmates du tremblement de terre. Camps de déplacés dans la ville, tas de gravats au bord des routes, des milliers d'Haïtiens vivent toujours dans des conditions très difficiles. À ce terrible séisme succèdent cyclones, crises politiques et épidémies de choléra. Cela fait un an maintenant que les Haïtiens survivent essentiellement grâce à la mobilisation de l'aide internationale et à l'assistance des ONG et des Nations Unies. Avant même la catastrophe de janvier 2010, la moitié de la population n'avait pas accès aux soins. Hôpitaux surchargés, cliniques privées inaccessibles, telle était la situation en Haïti. La présence des ONG médicales comme Médecins du Monde a permis à des dizaines de milliers d'Haïtiens de bénéficier d'une réelle amélioration de l'accès aux soins. MDM, présente dans le pays depuis 20 ans, a pu porter secours aux victimes dès les premières heures après le séisme. Action numéro 1, ça a été le programme de chirurgie qui a débuté 48 heures après la catastrophe. Mais très vite après, ça a été des cliniques mobiles, c'est-à-dire des médecins, des infirmiers, des sages-femmes qui sont partis avec des sacs à dos dans les quartiers, soigner les gens. Et après, au fur et à mesure, on s'est dit qu'il fallait un tout petit peu se stabiliser pour pouvoir continuer à voir les gens. Et donc là, on s'est mis à monter des cliniques fixes dans les quartiers pour que les gens puissent venir et un point d'ancrage. Clinique fixe ou mobile, centre de traitement du choléra, Médecins du Monde a mis sur pied une trentaine de structures de santé à Port-au-Prince, à Petit et Grand Goave, ainsi que dans le département de la Grand'Anse. MDM effectue plus de 2000 consultations par jour, toutes gratuites, et avec l'épidémie de choléra qui se propage, ce chiffre ne cesse d'augmenter. C'est grâce aux médecins, aux infirmières, aux psychologues, aux animateurs, aux sages-femmes que ce travail est rendu possible. Sur les 1268 personnes de Médecins du Monde travaillant en Haïti, 1200 d'entre elles sont haïtiennes. Comment renforcer un système de santé local? C'est d'arriver, à mon sens à moi, c'est d'arriver peu d'expats, avec un peu d'expertise, avec un peu d'argent ou beaucoup d'argent, et d'embaucher le maximum de locaux, de nationaux ici, les former, transférer des connaissances. Et puis, si on avait à se retirer, la connaissance, les moyens restent là. La réussite d'un projet pour Médecins du Monde, c'est quand il tourne avec du personnel national. C'est ça la réussite. Médecins du Monde comprend la souffrance du peuple haïtien. Il comprend les gens. Est-ce que les choses sont en train de changer? Les choses sont en train de changer dans des quartiers qu'on a des sites Médecins du Monde et dans d'autres quartiers qu'on a les autres organisations qui font le même travail que Médecins du Monde. Mais dans le pays en général, il y a beaucoup d'autres endroits qu'on n'a pas encore arrivé à toucher. Il y a beaucoup de choses qui restent à faire. Un an après le séisme, les acteurs humanitaires poursuivent toujours le secours d'urgence. La reconstruction tant attendue tarde à venir. Pourquoi? C'est la question que l'on entend partout en Haïti. À défaut d'une réponse, les Haïtiens gardent patience. Mais pour combien de temps encore? Et quand on parle de reconstruction, on parle de responsabilité qui incombe d'abord à l'État haïtien, mais aussi aux États de la communauté internationale. Demain, tout dépendra de la mobilisation des États, parce que le risque est réel. Après le séisme, ce tremblement de terre, d'avoir un second séisme, celui-ci économique et social, donc politique, parce que les promesses faites à New York, qui sont de la hauteur de 10 milliards de dollars, ne seront peut-être pas tenues. Et si les équipes haïtiennes et internationales d'urgence ont permis un temps de faire face aux besoins vitaux, les États restent, eux, bien loin du compte en matière de reconstruction. Seules quelques centaines de millions ont été données. Si les promesses de dons ne sont pas tenues, l'opportunité de sortir Haïti de la pauvreté s'éloignera alors. Il est pourtant encore temps d'agir et de tenir les promesses faites aux Haïtiens.